Chapitre 6, Yuri Kozukata. Donc on est parti pour trouver Miyu Inazaki, la fille de Miku. Alors, Yuri a trouvé Haruka enfermée sous terre dans une reliquaire. Dans un reliquaire même. Il l'a ramenée, mais elle a disparu à nouveau, entraînée par un esprit. C'est sûrement sa copine. Yuri part sur le mont Ikami à la recherche d'indices et pour trouver une autre personne disparue, Miyu. On a pas mal d'objets, ça va. Alors, il y a des objets qu'on perd. Il y a les herbes aux braises et les pierres miroitantes, pardon, qui sont remis à zéro. Enfin, remis par défaut, pas zéro, par défaut. Donc c'est 20, 5, 3 et 1 à chaque fois quand on commence. Mais par contre, les films, c'est ce qu'on a trouvé. Si je dis pas de bêtises. Faudrait que je fasse attention en fait la prochaine fois. Mais ouais. C'est parti. Chapitre 6, Fleur immortelle, Yuri. C'est beau, c'est très joli les dessins à chaque fois des chapitres. C'est très sympa. Après avoir été ramenée de la montagne, Haruka disparut à nouveau. Cette fois-ci, elle semblait suivre l'esprit de son ami, Fuyuhi. Yuri se souvient d'une autre affaire non élucidée figurant dans le dossier d'Isoka, une fille disparue appelée Miyu Inazaki, partie sur le mont Ikami à la recherche de sa mère. Yuri emporte le souvenir de Miyu avec elle et part sur la montagne, espérant que la clé de toutes ces disparitions l'attend là-bas. Ah, donc c'est la photo de Miyu. Je peux utiliser cette photo pour retrouver sa trace. Hein. Elle devrait me montrer exactement où elle est. Allez, c'est parti. Alors, on a notre caméra. On a quoi? 100 000 points. La vitesse de chargement réduisant ainsi le temps nécessaire entre deux photos. Ouais, c'est pas mal. Ça pour le moment je vais pas l'augmenter, je pense qu'on va prendre chargeur. Voilà, très bien. Oh. Miyu qui va à l'intérieur. Ah oui, on devait écouter des cassettes. Je pense qu'on les a. Collection. C'est collection. Cassette de KG. On a 1, 2, 3. On va les écouter maintenant. Parce qu'on devait le faire là, dans le dernier épisode. C'est parti. From the shrines of other mountains, too, were routinely brought in as part of this custom. But through sacrifice, what did they aim to appease? The people of this region used to practice human sacrifice. Those who had died but were revived were considered strong pillars. Being touched by death must make for a stronger pillar. Shrine maidens use the water as a conduit between the living and the dead. Those who come to the mountain are transfixed by death. To die is to return to the water. Water is connected to everything. The shrine maidens glance into the souls of the dying, taking on their final memories. Then, the shrine maidens become the pillars, and those memories are submerged in the water. If water really is connected to everything, then this mountain, overflowing with water, must also be overflowing with death. There is a ceremony to bind doomed men with the shrine maidens. To keep them secure once they have become pillars. Go
post-marriage. A man's fate is sealed once he recognizes a shrine maiden's beauty. Whispers of love come from the photographs. They are a curse. The words are a curse. And yet, my heart is drawn to one word they utter. Suicide. Yay! Bon, c'est un peu ce qu'on avait déjà lu. Hein. Vers la gare. C'est un peu ce qu'on avait déjà lu dans l'épisode précédent, donc on n'a pas appris plus que ça, mais au moins c'est un peu plus clair. Gare de Mikomori. Donc pour vous montrer où on est ici. Donc il y avait Ren qui était arrivé en fait à la gare de la forêt, donc en haut, et ils sont descendus pour repartir chez eux. C'est bien aussi, c'est qu'on peut... regarder les cartes en fait de toutes les autres zones aussi, même si on n'y est pas. Il y a des jeux comme ça où on peut regarder les cartes que seulement de la zone où on y est. C'était quoi? C'était Them and Us, je crois qu'il y avait ça. C'était un peu embêtant. Surtout pour moi qui ai tendance à me perdre. Miu! Donc elle est passée par là. Ouh, je suis en train de me perdre. Là. Elle est passée par la gare. Non, je sais pas pourquoi j'ai... j'ai trop anticipé. J'ai trop anticipé. Hello ? Bonjour ! Ah, faut que j'arrête de dire bonjour. Désolé, au revoir, bonsoir. Ça a dû faire mal. Excusez-moi, je dois toucher votre femme. Regard fatal. Et maintenant, je peux vous toucher, vous. Chemin qui est bloqué. Derrière l'arbre couché, les lampadaires à bord de la route. C'était probablement un parking. Ok. Oh. Très bien. Oh. Femme qui attend. On peut la voir, une femme qui est assise. Je sais pas s'il y a quelque chose de l'autre côté. Non, on peut pas y aller tout ça. Bon, allons prendre le tramway avec... enfin, le tramway, le... Comment ça s'appelle? Oh! Ah! Comment ça s'appelle? Le téléphérique! Oh mon dieu, j'ai complètement oublié. Le cerveau, il a des trous. Alors, note de Miu, ma mère est partie lorsque j'avais 3 ans. Je me souviens à peine d'elle. Elle m'a serré dans ses bras, puis elle a disparu dans le coucher de soleil. Je ne pouvais rien y faire. J'ai pleuré en regardant le coucher de soleil. Pourquoi l'ai-je regardé partir? Pourquoi l'ai-je laissé partir? Je ne peux pas me contenter de l'attendre, il faut que j'y aille. J'aurai des choses à lui dire quand je la verrai. Alors, voyons-lui faiblement sur le tableau de bord, on dirait que le courant marche. Je peux me servir du panneau de contrôle pour mettre le téléphérique en marche. Là, on y va. Vous appuyez sur l'interrupteur du téléphérique.
Pour info, Miyu, elle a 17 ans. Hein. Ça fait un petit moment que Miku a disparu. Hein. Sa mère a disparu. Si elle a disparu quand elle avait 3 ans, ça fait un petit moment déjà. Gare de la transition. Alors, je crois qu'on peut aller là. Si je me rappelle bien, on va avoir un comité d'accueil ici. Ou alors peut-être c'est en repartant, je sais plus trop. Pas mal de choses. Non. Non. Oh. Ah, loupé. Dans le 3 aussi, il y avait une sorte de mécanique qui n'existait pas dans les deux premiers. C'était, vous regardiez à travers genre des petites fenêtres. Genre imaginez que là, ça soit ouvert. Et vous pouviez en fait vous mettre donc en vue en troisième personne, enfin en première personne, pardon. Et vous pouviez voir en fait par la fenêtre. Vous pouviez même utiliser la caméra et tout ça. Et ça n'existait pas dans le 1 et le 2. Et à chaque fois, c'était, vous entendiez le battement de cœur et tout ça. Donc c'était un peu la mécanique de peur en fait qu'ils avaient instaurée. Un document illustrateur fouillé ont été éparpillés un peu partout. Qui était un peu nouvelle. Et là, il y a ce système de... Dans le cinquième, il y a le système... C'est quoi tout ce bruit? C'est la porte qui fait ce bruit. Il y a ce système de d'attraper les objets et de temps en temps de se faire attraper la main. Donc à chaque fois, il y a toujours des petites nouveautés dans les Project Zero, c'est sympa. Parce que ça n'existait pas dans les premiers jeux. Oh, loupé. Après, est-ce que c'est vraiment... Ouais, on peut avancer. Est-ce que c'est vraiment... Une grande mécanique ou quelque chose de vraiment bien. Bon, ça rajoute un petit côté peur quand... Il y a une porte là. Peur quand on prend les objets. C'est pas transcendant non plus. Attends, t'es en train de me montrer quelle porte. Il y en a plusieurs en fait, il y en a deux. Il y en a une qui est barricadée, on va l'analyser comme ça sera écrit sur la carte. Porte métal rouillée ferme, on dirait que le bureau de la gare, mais je ne peux pas y entrer. Ah non, même pas, le met même pas sur la carte. Et là. Entrée interdite. Hein. Ok. Et ouais, non. Elle les a pas mis en rouge sur la carte. C'est pas grave. Vers l'hôtel de la transition. Alors, chemin de la transition. Oh, tout est allumé, mauvais signe. C'est joli ici. Là, on a un petit chemin. Qu'est-ce que tu voulais que j'examine, Yuri? Ah, Yuri. Bon, c'est pas grave. On regardera sur le chemin de retour. Je crois que là, c'est pour partir, en fait. Ah, je dois aller chercher Mio, ça marche. Une corde est attachée entre les deux grands cèdres. Ok. Ici aussi, on a une très bonne ambiance. Hein. L'hôtel de la transition. Mio se trouve à l'intérieur. Oh,
enfin se trouve à l'intérieur, hein, on n'est pas vraiment sûr. Oh, bonjour. Merde. Ah, je l'ai loupé. Loupé encore, c'est bien. C'est bon, j'ai. Ah non. Ah, les prêtresses. Braise. Ok, très bon. Très bien. Vous avez vu la différence en fait, il y en a qui sont aveugles et tout, qui sont plus ou moins genre des victimes, des prêtresses, mais il y en a qui rigolent et qui dansent, donc il y en a des différentes à chaque fois. Une grande cloche est suspendue dans le clocher. Donc là on peut voir, est-ce que l'esprit du coup a cherché à attaquer l'homme? Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu fou, car il arrête pas de dire « les yeux, je veux pas qu'elle me regarde » et tout ça. Et par rapport à ce qu'elle disait « j'ai vu dans ton âme » et tout. Donc est-ce que c'est à ce moment-là qu'il est devenu fou et qu'il a voulu tuer les prêtresses et enlever leurs yeux? Ou alors c'est parce qu'il l'a fait et que ça s'est produit? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça à réfléchir, c'est pas mal. Très bien. Porte refuse de s'ouvrir. Descendons. Alors, c'est un hôtel, mais il ressemble à une énorme boîte. Son couvercle a la forme d'une porte. Il y a un grand trou de serrure dedans. Que pourrait-il y avoir à l'intérieur? Je suppose que le seul moyen de découvrir est de trouver la clé d'entrée. Alors, un grand Bouddha se tient derrière la clôture. Si je me rappelle bien, cet endroit est un peu grand. Attends, il n'y a pas un objet ? Oui. Très bien, on a 78, ça va. Films. Porte là. Porte de fusée, plus en force, maintien fermé, ça marche. Du coup, au revoir. Non, lâche-moi.
Ah, je suis bloqué. Très bien. Vas-y, attaque-moi. Je l'ai eu ou pas? Ouh, je l'ai eu, ça va. Là, elle allait me faire l'attaque, vous voyez, là, sa main brillait. Elle allait me faire l'attaque de souillure. On a... Ouais... On pourrait se remettre de la vie avec ce tir-là, en fait. Ça nous économisera des soins et ça nous fera plus de points. On va voir un peu la carte par contre. Ouais. Ça s'ouvre pas là? Non. On peut descendre. Si je pense que... Enfin, si je pense avoir raison... Cet endroit est assez grand. Comme je disais. Il y a un bateau à prendre et tout. C'est pas mal. Portée verrouillée. Un fleur de lys est gravé sur le verrou. Est-ce qu'elle le met sur la carte? Non, elle le met pas. C'est un peu bête, ça. La carte est pas assez bien détaillée. Ah bah tiens, c'est là. Bonjour. Ok, on est esquivé. Ok, bien, bien, bien. Ça m'a quasiment rien donné comme vie, honnêtement. Ouais, quasiment rien. Faudrait augmenter le pouvoir, mais j'ai pas envie. Prêtresse dans la pièce. Et là, on voit le bateau. Ouais, cet épisode risque de durer un petit moment. Je crois que je m'étais perdu même à un moment. Il faut trouver, faut se rappeler en fait qu'il faut trouver la clé pour ouvrir la porte. Et comme je disais, voilà, c'est le fait que les cartes en fait ne montrent pas ça. Ça montre juste les portes fermées, mais ça veut pas dire qu'il faut une clé. C'est seulement que la porte est rouge, donc elle est fermée. Donc ça peut être par un pouvoir, ça peut être par un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est des fois un peu embêtant. On a des films de l'autre côté. Le regard d'une prêtresse lui permet de voir les cœurs de ceux qui retournent à l'eau. Les prêtresses prennent leurs douleurs, leurs péchés et tous leurs secrets afin de faciliter leur passage. Les prêtresses dont le cœur sont pleins deviennent des piliers. Les secrets emportés par les prêtresses sont scellés dans les reliquaires avec elles afin qu'ils y restent enfermés à jamais. Alors, de l'autre côté... Elle par exemple, elle est aveugle. Lisez les sous-titres, c'est intéressant.
Elle pouvait pas voir, mais oui, non, parce que... L'autre, il lui a défoncé les yeux, et là, eh oui. Donc à chaque fois, un esprit... certains sont méchants, de base. Certains sont juste des victimes. Il y a un espace ressemblant à une cour à l'intérieur du bâtiment. J'aperçois un couloir entourant la cour, longeant les murs. Par là. Est-ce qu'on peut déverrouiller la porte ou un truc comme ça? La porte est à présent déverrouillée. Ok, donc là on est de retour ici, ça marche. Retour au début. On va retourner en bas. On a fait le tour, on n'a pas fini. Enfin, on refait le tour, c'est pas très grave. Hein. Normalement, on devrait... Enfin, on peut faire juste demi-tour, je pense. On va prendre... À un moment, il y a un escalier qui descend. On va aller là. Attendez. Choup, choup, choup. Genre là... Ouais, en fait, j'aurais pas dû faire... Ouais, c'est pas grave. On fait un long chemin. Ah, ben c'est là, c'est ici. J'avais bien que c'était de ce côté-là. Ok. Bateau, on a pas mal d'objets à droite à gauche. Non. Très bien. On peut... non, il faudra aller sur l'autre côté. Pour l'objet. Là. Porteur de l'ombre, ne touchez pas les eaux noires. S'immerger dans une telle noirceur revient à fondre et se décomposer. Seuls ceux qui souhaitent mourir peuvent endurer un tel supplice. Nous, les porteurs de l'ombre, sommes tous condamnés à mourir. Nous porterons les reliquaires et les immergerons dans les eaux noires jusqu'à ce que nous aussi nous nous décomposions. Les eaux noires ne doivent pas déborder. Porteurs de l'ombre. Les porteurs de l'ombre sont... Pas de jumpscare. Il y a un jumpscare dans le deuxième jeu qui m'a fait sursauter en regardant par une fenêtre. Oh, j'ai limite tombé de ma chaise. Non, je déconne, mais ça m'a fait quand même bien sursauter. Les porteurs de l'ombre, du coup, fleur de camélia est gravée sur le verrou, sont les mecs qui portent les boîtes dans leur dos, en fait. Du coup, bah, c'est les reliquaires. C'est eux, si je dis pas de bêtises. Ah, ok, donc du coup, on est là, on est là, on va aller là. On va continuer le chemin, à droite. Les escaliers. Là, il y a notre bateau. Alors, restriction du mont Ikami. Les sources de l'ombre, sources des eaux noires. Pour contenir la source de l'ombre, pour éviter que les eaux noires ne débordent, le mont Ikami doit être renforcé par les reliquaires. Les prêtresses traversent de l'autel de la transition à l'autel sur l'eau avec la barque de passage afin de devenir les grands piliers. Les cercueils sont utilisés afin de ne pas souiller le sol de la montagne. Les reliquaires sont utilisés pour préserver la pureté de l'eau. Les eaux du mont Ikami sont la source de l'âme, l'eau pure doit être protégée, les eaux noires ne doivent pas déborder. Et là il y a notre bateau. Un petit bateau flotte dans la cour, l'eau s'étend jusqu'à l'intérieur de la cour, je peux sûrement monter dans le bateau d'ici. Mais là c'est fermé, donc faut ouvrir ces deux portes. On peut passer par là? Non, il n'y a pas. On peut faire le tour par contre.
Gerlu. On peut pas faire le tour. Très bien. Porte est déverrouillée. Elle possède deux verrous. Enfin, est verrouillée, pardon. L'un gravé de fleurs de cerisier et l'autre de lune. Ben là, ça commence où il faut pas mal de clés. Ça en fait 4 en tout. Donc, ça devient un peu. Un peu problématique, j'ai envie de dire. Pour être honnête, je crois que c'est là que j'ai commencé à me perdre en fait, je commençais à tourner en rond. Donc on va regarder la map souvent pour éviter ça, pour éviter de tourner en rond. Il y a encore un endroit où on n'est pas allé. Ah, ce passage là. Ça descend encore, c'est le fun en bas. On va d'abord regarder la porte. Et on est un hôtel. Très bien, la fleur immortelle. Celles qui deviendront des piliers sont placées dans les reliquaires remplies d'eau noire. La prêtresse repose dans les eaux noires. Ce n'est pas la mort, mais un sommeil éternel. Elle ne vieillira pas, elle restera la même, une fleur immortelle. Dormir dans les eaux noires amène des rêves de mort qui se répètent sans fin. Lorsque la prêtresse ne veut plus, son corps se dissout et son rôle de pilier prend fin. Seules les prêtresses les plus fortes deviennent des fleurs immortelles. Cette souffrance éternelle nous rend éternels, tel est notre rôle alors que nous apaisons la source de l'ombre. Donc on commence à avoir un peu plus d'informations sur le rôle type 0. On a gardé les autres types 0 qu'on avait. Non, on n'a pas gardé. Non, ça c'est une chose aussi. On n'a pas gardé le type 0 qu'on avait trouvé dernièrement. Ah, peut-être que tout est remis à 0 en fait. Je sais pas, je sais plus. Alors, un espace vide au milieu de l'hôtel, comme si quelque chose devait y être placé. Et oui. Donc ouais, les prêtresses sont mises dans des boîtes vivantes remplies d'eau noire. Et après elles sont lâchées dans l'eau et elles doivent subir un tourment éternel en gros. Une souffrance éternelle, souffrance psychologique sur les douleurs des gens pour apaiser les eaux noires. Et faire en sorte que les gens aussi... soit mieux quoi. Vu qu'on leur donne en fait nos secrets, nos problèmes et tout ça. En gros c'est à ça qu'elles servent. Et elles font en sorte que ces eaux noires ne débordent pas. Alors, par là et par là. Yo. Yo. Qu'est-ce qu'elle a? Ok, j'avais le contrôle bizarre de la caméra.
Vous avez même vu mes mouvements, ils étaient très très étranges. Oh! Ok, c'est bon. Je l'ai esquivé. Je crois que c'est parce que j'ai ouvert la caméra. Oh mon dieu. J'ai ouvert la caméra au moment où il y avait le mouvement en troisième personne. Et du coup, ça m'a fait un truc bizarre. C'était assez intéressant ces mouvements. J'ai cru que c'était la prêtresse en fait qui me rendait plus ou moins fou, mais en fait non, c'est une sorte de petit bug. Faudrait leur dire. Bonjour. Ah, arrête de dire bonjour. Un cercueil a été posé sur le sol. Le cercueil est rempli d'eau et j'aperçois une forme humaine submergée à l'intérieur. Ok. Document souillé. Les eaux noires ne doivent pas déborder, les eaux noires sont l'outre-monde lui-même. Si l'eau pure venait à être souillée par les eaux noires, une calamité s'abattrait. Le monde des vivants deviendrait l'outre-monde, les âmes des hommes pourriraient, et ceux qui retournent à l'eau deviendraient les morts. Les eaux noires ne doivent pas déborder. Ah, on peut peut-être débloquer ça. Ah, bon, j'ai redit. J'ai rien dit. C'est quelque chose là-dedans. Par où on passe. Tac, devant. Passage. Il y a deux portes côte à côte, ouais. Ouh, ça vous rappelle rien ici. Porte de sourire plus puissant de force. Okay. Enfin, ça vous rappelle rien. C'est pas exactement l'endroit, mais. C'est peut-être un peu le début, ça, non? On est de retour ici. Ah non, là c'est l'avant. Le bateau il est dans ce sens-là, sous la arche là. Et nous, ça sont les portes qu'on veut ouvrir. Voilà, le bateau est là. Bref, ce soir, une puissante force bloque. Ça marche. Juste là on voit la porte. Il reste cet endroit là je crois. On trouve pas grand chose hein, pendant un long moment. Hein. Ce chapitre est un peu... je me rappelle qu'il m'avait un peu marqué parce que je tournais un peu en rond. Après les autres chapitres non. Honnêtement j'ai jamais eu de problème.
j'ai envie de dire. Mais celui-là un peu. Ouais. Miu qui recule. Oh, ne serait-ce pas là où elle s'est fait attaquer? Dans le tout début. Ah, avec les portes à double battant. Et du coup, là... là, c'est où elle était. Statue de Jizo décapité se trouve devant le treillis. Bon bah oh. J'allais dire, il n'y a pas autant de prêtresses qu'au début, mais en fait, bon, déjà, il y en a deux. C'est déjà bien. Non, loupé. Non, elle m'a eu. Elle m'a eu. On va prendre les 61. Si on peut la toucher. Oh, on s'est fait agripper. Bon, la main, ça va. Notre vie est un peu basse, mais on devrait s'en sortir. Bon bah. Mince alors. Après, je sais pas si. Je me rappelle pas en fait. Chaque esprit. Je sais que quand on les rencontre pour la première fois, la plupart du temps, oui, on va avoir une cinématique. Mais ceux-là, je sais pas. Ils sont pas nouveaux vraiment. On est allé dans le bon sens, ouais. Porte est à présent déverrouillée. Parfait. Donc maintenant on peut faire le tour sans problème. On va repartir de l'autre côté parce qu'on a loupé. Enfin, on n'a pas loupé des endroits, mais il nous reste encore des endroits à vérifier. Parce qu'on n'a toujours pas de clé, rien. Hein. On a strictement rien trouvé encore. Est-ce qu'on va se faire encore agresser ou pas? Non, ça va. Alors, hop, là-bas. Tout droit. Boîte noire ornée, elle a l'air un peu différente de celle dans laquelle Haruka a été enfermée. Elle est fermée, se pourrait-il que Miu soit à l'intérieur? L'appareil photo réagit à quelque chose. Mmh. Il y a quelque chose sur l'image. Il y a de la lumière qui jaillit du plafond.
semblerait y avoir un autre étage au-dessus, le conduit dans le plafond y mène. Chercher un moyen d'ouvrir l'auvent. Alors là, ok. Donc il faut éclairer en fait cette partie là. C'est fermé. Je crois, j'ai l'impression qu'elle se déplace plus vite en fait quand on est en caméra. Ouais, c'est plus ou moins la même chose. Elle est ralentie par l'eau, mais en caméra elle est pas ralentie. Mais elle va lentement parce qu'elle est en caméra. Je crois que c'est pareil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Parce que là, je crois avoir tout fait. On peut revenir au début et voir si quelque chose se produit. Il y a souvent ça aussi dans les Project Zero. Genre, vous faites le tour d'un endroit, il se passe rien, puis après vous déclenchez un événement et tout ça. Après vous revenez, il y a quelque chose. Ça arrive souvent. Et je dois dire que là, je me rappelle plus. Je sais que le moment où on va commencer à voir les objets, c'est bien. Pour débloquer les portes et tout ça. Tout va se débloquer plus ou moins très rapidement. Mais faut qu'on y arrive à ce moment-là. Comme d'hab, je couperai si jamais on tourne en rond. Faudrait aller à l'étage. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok. On va aller... je vais être honnête, je sais pas où. C'est là en fait qu'il y a l'ouverture, je crois. Oh. Comme je disais. T'as l'air méchant, toi. Oh mon dieu. Tu m'as fait... Oh, la vie que tu m'as enlevée. On a toujours envie. Tiens, mange. C'est moi ou il est presque mort, ou alors il a... Je vois pas sa vie. Oh, on l'a eu. Attends, on disparaît pas. Non. Ah, des fois c'est emmerdant quand même.
L'appareil photo réagit à l'hôtel maintenant. Okay. Ah, c'est con, j'aurais bien voulu voir s'il y avait une cinématique. Ah là là, je suis déçu. Alors, ça c'est où il y avait les cercueils. Pièces remplies de cercueils. C'est quoi ça? Quelqu'un sur la barque. Personne de bœuf dans une petite barque. Donc ça fait deux. Et ça, c'est à travers les treillis, je crois. Fenêtre en treillis. Ouais. Faudrait que je trouve ces trois endroits. Ça marche. Vous voyez, parce que là, on était allé, donc à chaque fois, il faut des fois de temps en temps revenir sur nos pas pour déclencher des événements. Faut penser à ça. Faut pas penser seulement, genre, trouver clé, ouvrir porte. Il faut penser aussi déclencher événements, revenir pour... revenir sur nos pas dans les endroits clés pour voir s'il n'y a pas d'autres événements qui se déclenchent. Ah, c'est ce qui vient de se passer. Alors, on avait quoi? Le bateau, le treillis et... J'ai oublié. Ah oui, la salle des cercueils. La salle des cercueils... C'est tout en bas, je crois. Enfin, toutes les salles intéressantes, elles sont en bas. Sous l'hôtel. Sous l'hôtel... Ça c'est entrée de la grotte. Terrain rez-de-chaussée. Peut-être là. Ah, je sais plus. Bah bateau et tri, oui. Ah, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Ok. Alors, on va se mettre comme ça. Dans le 3 aussi, dans Project 03, il y avait un moment où on devait... Oh merde, je l'ai pas eu. Quelque chose. Ah, faut reproduire les photos, je suis bête. Il y avait un... Bonjour. J'avais dit d'arrêter de dire bonjour. Il y a un passage où c'est qu'on doit... Il y a une photo cosmo, une photo psychique. Ok, cool. Oh mon dieu. On avait... des esprits, en fait, à aller combattre. Il y en avait... 4, je crois bien. Et il y en a un, c'était, en fait... Oh, ok, il y en a deux. J'aurais pas dû faire ça. Donc on est mal. Très mal. Ok, j'ai esquivé. Ok, bien. Non, c'était pas des esprits à tuer. C'était le 3 ou le 2? Je m'en rappelle plus. C'était en fait une esprit d'une... Oh mon dieu, j'étais trop tôt. Okay, c'est bon, on a esquivé. C'était l'esprit d'une fille en fait qu'il fallait trouver. Je crois que c'était avec des poupées, un truc comme ça. Ah, je l'ai... Tiens, prends-toi ça. Et ça va, on va le tuer. Très bien. Et elle apparaissait en fait, on imaginait genre une maison et elle apparaissait à différents endroits de la maison. Et il fallait la trouver en fait plusieurs fois du coup. Et il y a un moment, il faut la trouver à un endroit, mais en fait elle y est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un fantôme qui apparaît à la place, il y a un esprit. Et une fois que vous combattez l'esprit, en fait il faut sortir de la salle et re-rentrer dans la salle pour déclencher son événement elle. Et elle par exemple c'était vraiment très très embêtant. Je crois que c'était le 3, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être le 2 en fait. Je crois que c'était à la maison des poupées. Donc ça fait 1, après on a un deuxième ici avec le bateau. Donc c'était très 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 emmerdant. Ce passage là.
prends ton temps. Ah, très bien. Et du coup, ouais, c'était très embêtant. Comme je dis, faut... Ok. Donc comme j'ai dit, il faut toujours penser au... C'est pas que clé-porte, c'est aussi événements qui peuvent déclencher des choses. Donc là, ça doit être ou ici ou là. Donc on va repartir de ce côté-là. Mais ouais, c'était vraiment un moment embêtant en fait. J'ai tourné pendant genre 40 minutes. Non, là, je l'ai fait en stream. Donc on a tourné pendant 40 minutes en fait, et on est même allé regarder du coup internet, Google, pour savoir ce qui se passait, et c'était ça, c'était à cause du fait que, en fait l'esprit est apparu, bah, l'esprit a pris le dessus sur l'événement, et du coup il fallait retourner dans la salle, en sortir une fois et après retourner dans la salle pour déclencher son événement, c'était un peu embêtant. Et le 3 aussi il a des choses comme ça, quand on veut parler à Miku. Dans le 3, on peut lui parler, on peut lui donner des photos. Et elle va... Alors, c'est là ou c'est l'autre? Et elle va faire des enquêtes, en fait. Je crois que c'est l'autre côté. Sinon, la caméra réagirait. De ce côté-là. Est-ce que la caméra réagit quelque part? Non, on va regarder la photo. Non, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait. Alors, une silhouette se tient derrière une fenêtre en treillis. Ouais, ça va mettre pas des masses. De toute façon, il n'y a que ici hein, qu'on a vu des fenêtres entrées comme ça. Donc bon, c'est de ce côté ou de l'autre. Du coup, ça va en faire du Project 05 pour moi. Parce que là, je suis en... Comme j'avais expliqué au tout début, je fais le jeu en normal une fois. Comme ça, ça me fait un let's play tout ça, du jeu. Vu que je le connais un peu, je peux mieux en parler. Putain, elle m'a fait peur, cette conne. Oh la vache. Saloperie, quoi. Ah. Tiens, mange. Tiens, je vais même passer au 61, tiens. Tu mérites les 61. J'ai envie de dire, tu vas même passer au 90. Tu vas prendre le 90 dans la tête. Vas-y, essaye de me toucher. Oh putain, ça va. Voilà. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra qu'elle m'a fait sursauter quoi. C'est ouf. Ah oui, les barreaux c'est pas les mêmes. Là c'est du bambou j'ai l'impression, rond. Et l'autre c'est du bois en fait. Si l'autre elle m'attaque, j'imagine que c'est là.
On va regarder avec la truc. Donc oui, je fais le jeu une fois. Ouais, non, là, c'est du bois, en fait. Et il y a une barre en bas. Donc c'est pas là. C'est pas là. S'il n'y a pas de barre en bas. Et là, c'est du bambou. Ok, ça marche. Oh, mon Dieu. Et du coup... Après, oui, je le referai en stream. Hein, on le fera en difficile. Et je crois que, du coup, ça va conclure le mois d'octobre. Du coup, il me manque encore Man of Medan à faire et Little Hope, parce que je voulais les refaire, les deux. J'ai fait le troisième, très très bon. Et après, il y a Extermination aussi que je voudrais refaire sur PS2. Ah, mais là aussi, c'est du bambou. Donc, je dois pas être au bon endroit. Il y a sûrement un autre endroit qui... où il y a du treillis, mais je m'en souviens pas. Et on y approche. Et oh putain. On a failli se faire attraper. Alors, l'esprit a laissé tomber quelque chose en disparaissant. Semble faire de pierre. Semble fait de pierre, la lumière qui renvoie une teinte orange. Le miroir du soleil noir. Et on a l'objectif différé. Un objectif qui ralentit le sujet photographié pour une durée déterminée. Je dois probablement poser le miroir sur l'autel. Donc pour ceux qui veulent savoir où on est là. C'est dans cette salle là en fait. Donc voilà. C'était pas trop loin mais c'était pas évident non plus. Alors, 65 000 points, très bien. Donc on a 4 objectifs, pardon. Alors maintenant on en a un qui ralentit. Ralentit le sujet photographié pour une durée déterminée. On peut mettre ralenti, dégâts et soins. C'est pas mal. Ce n'est point mal. 65 000. On peut... ralentir le mouvement du sujet. On peut améliorer ça. Ça, c'est de repousser. Ça, c'est augmenter les dégâts. Ça, c'est remonter... On peut augmenter les dégâts. Ralenti, je sais pas vraiment si c'est ultra utile. On va voir. Est-ce qu'on peut passer par le... Non, verrouillé. Je sais plus si c'est vraiment utile en fait, ralenti. Parce qu'il y a des objectifs comme ça qui sont bien sur papier, mais après en combat, honnêtement, c'est pas trop utile. Genre, des fois, c'est mieux de faire des plus de dégâts que de repousser, par exemple. Du coup, on repasse par là. Et on va... je crois qu'on peut repasser par les escaliers, là, à gauche. Pour revenir au premier étage directement. Enfin, au rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée, ça. Ouais, c'est le rez-de-chaussée. Ah non, c'est fermé. Il faut les... Ouais. J'ai rien dit. On va devoir faire le tour. Il y avait le... Je crois que c'était le troisième jeu. Le deuxième ou troisième. Je crois que c'était le troisième. Où il y avait des choses qui n'étaient pas trop trop utiles. Genre, par exemple... vu qu'on était limité en pouvoir, je crois que le 1, le premier aussi faisait ça. Le premier, c'était, je crois, un des pires, pas pire, hein, façon de parler. Attends, on va passer par là. Parce que, comme j'ai dit, les pouvoirs, en fait, les compétences de la caméra étaient limitées par le nombre d'objets que vous trouviez, en fait. C'était des pierres spirituelles ou trucs comme ça. Et c'était limité, du coup. C'était pas à l'infini, il y avait aucune façon de les farmer ou quoi que ce soit. On va passer... Hop, c'est juste là. Il n'y avait aucune façon de les farmer, en fait. Et du coup, bah, le mieux, bah, c'était de les utiliser pour faire des dégâts, en fait, tout simplement. Donc, pour ralentir ou repousser les ennemis ou quoi que ce soit, bah, ça devenait beaucoup moins utile, parce que là, c'était pas illimité. Là, alors que là, on peut varier, on peut faire des tests avec différentes lentilles, vu que les pouvoirs, on les absorbe quand on combat. Donc, ça va. Voilà.
Et maintenant, la lumière passe. Donc il y a des choses comme ça à prendre en compte. Donc tester avant d'augmenter les pouvoirs, enfin les compétences, les lentilles. Tester les choses. Mais je vais être honnête, je me rappelle plus trop hein, les lentilles qu'il y a dans Project 05. Toutes les lentilles. Il y a plus ou moins les basiques, ralentir, repousser, dégâts. Il y a l'absorption de vie qui est nouvelle, je crois. Ça n'existait pas dans le 1, 2, 3. Peut-être que ça s'est sorti dans le 4. Hein. Mais ouais. Après, je sais plus ce qu'on peut trouver. Je sais que dans le 2 et le 3, le 3 sur le 2, je me rappelle plus vraiment, il y avait deux lentilles qui pouvaient faire des dégâts. Et on avait une qui prenait plus de pouvoir que l'autre. Oh mon dieu. Les os sont souillés. J'ai pas... Ok, on a esquivé. J'avais pas... J'avais changé de filtre. De film au moment. Oh. Ah oui, elle nous laisse des boules en fait qui vont nous attaquer. Qui nous fait des dégâts si jamais on... Ok, bien. On va voir si on peut la ralentir. Faut que je tue ta dernière boule ou... On va tuer ta dernière boule. Ok. Est-ce qu'elle reste ralentie quand je la retouche? Non. Ah si si. Dans les trois premiers, à chaque fois qu'on avait ça par exemple, genre on ralentissait une cible, si vous l'attaquiez après... avec un tir normal et... Oh mon dieu, il y en a beaucoup. Et ben du coup ça enlevait en fait le ralenti ou les choses comme ça, donc du coup vous pouvez pas vraiment faire grand chose. Enfin c'était pas vraiment utile au final. Super bien joué. On lui a fait super mal. Je sais pas ce qu'elle fait. Je suis pas très fan. Ok. Non. Tu es tout là-bas. Je peux pas te toucher. Non. Aïe aïe aïe. Mew, let's get out of here. Là, vous êtes tout à chaque fois dans l'eau. Where are you? Come on, we need to go.
Peu importe, je viens de sauver. T'as l'air un peu morte. Je vais être honnête, t'as l'air, t'as le regard un peu mort. Je pense pas que t'es censé être morte comme ça. Parce que les autres, ils bougeaient les lèvres et tout ça. Donc je vois pas pourquoi elle non. Peut-être des petites choses à changer. Mais comme je disais, ouais, donc le coup des... Le cinquième, honnêtement, le Project Zero 5 pour les combats, je parle strictement les combats, c'est le plus abouti, hein, et c'est le plus intéressant. Donc on peut facilement ralentir et attaquer. Ouh, là par contre on va devoir courir. Elle est un tout petit peu plus puissante. On a pris une photo. Go 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 go. Miu, c'est pas grave, Miu, tu te débrouilles. Miu, t'as pas passé la porte. Oh merde. Merde. Ok, loupé, bien. Touche pas, Miu. Parfait. Hop là. Merde, c'était téléporté. Très bien, elle est morte. Elle est morte. C'est trop loin. Tiens, mange les photos, arrête d'ouvrir la bouche comme ça. Je crois qu'on est, on peut être positif sur le fait que les eaux noires ont bien débordé. Hein. Je crois que c'est de ce côté qu'il faut aller. Où on vient de là? Non, non, on est bon. Ben, je crois. Tout se ressemble ici. Du coup... Tout
est fermé, nous on doit simplement partir. Non, en fait, c'était bien le mauvais côté. C'est tout est rouge. Ouais, tout est rouge, ok. Et Miu nous suit pas aussi. Ah si, elle nous suit, mais lentement apparemment. Donc ouais, pour les combats, il est cool. Pour les combats, il est cool. Tous les tirs, en fait, toutes les lentilles se valent, elles sont utiles. Dans le 1, 2 et 3, à cause du fait que, par exemple, le ralenti reste pas et tout ça, ça servait à rien, du coup. Hein, et je faisais toujours dégâts. Ah, ça marche bien. Oh, elle est juste là. Ouais, elle nous poursuit encore. Ok, ça marche. Je crois qu'on va pouvoir s'enfuir maintenant, ou alors il faut prendre le bateau. Peut-être le bateau c'est pour plus tard, elle est là. Je suis même plus sûr d'où aller en fait. Ouais non, on part, on se casse. Miu, j'espère que t'es derrière. Mais moi je reste pas. Hein. Et ciao. Voilà, très bien. On n'a pas fini encore. Et là, on va être complètement mouillé parce qu'il pleut. We should get out of here. This mountain isn't safe. I know. Du coup, on peut... Oh non, ah oui, voilà. Mais c'est parce qu'elle elle parlait, je pense. Attends. Si on se met là... Désolé, je vais faire des tests. Alors, toutes les murs se sont éteintes, peut-être que les éclairs ont fait sauter les plombs. Il doit y avoir un interrupteur d'alimentation quelque part, ça marche. Non, pas ça, comme ça. Mais là... j'ai l'impression que ça marche pas, parce que normalement, PNJ ennemi non, du coup elle devrait disparaître, notre amie Miu. À moins qu'il faut valider, contrôler le personnage, changer de vitesse de contrôle, changer de vitesse, quitter le mode, prendre une photo, sélectionner un objet, changer l'objet. Ouais, non, il y a des trucs qu'il faut... Oh la vache. Phénomène spirituel. D'accord, c'est ça en fait la lentille que j'ai pris. Choquant. Regarde si on peut faire un truc sympa. Alors, contrôle du personnage. Alors, QC affichage, oui, non. Ok, pose par défaut, standard. Expression de malaise, mort, sans connaissance, agonie. C'est bien les expressions. Alors, malaise, nervosité, mort, sans connaissance, agonie. Waouh. Et Miu. Pose défaut. Ouais, non, en fait, les personnages sont pas comptés comme des NPC, en fait, ceux qui nous accompagnent. NPC et Phantom, c'est... Bah, c'est... ouais, c'est que Phantom, en fait, que Esprit. Lumière en main. Patrouille. Regarde vers la gauche, regarde vers la droite.
pause à la caméra 1. Caméra 2, caméra 3, combat. Ok, mais elle vient de disparaître. Miyu, qu'est-ce que j'ai fait de toi? Je viens de te faire disparaître. Ah putain, on peut pas placer les personnages. Qu'est-ce qu'elle fait sur le dos? Mort, soulagement, surprise, repos. Ok. Doing, doing, doing. C'est pas mal ça. Tête penchée. Elle était à genoux. Qu'est-ce qu'on a comme personnage? Homme dans l'eau. Ouais, ok, on va pas faire des trucs bizarres quand même. On arrête. On sait pas où ça... On sait où on commence, mais on sait pas où on s'arrête. Donc on va s'arrêter maintenant. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Oh, chouchou. Oh, j'ai loupé. Bonjour. Esquivez. Oh mon dieu! Okay, je les ai ralentis. Très bien. Très bien, on est à 100%. C'est bien. Enfin, attends. Vite, avant que l'autre nous chope. Oh, c'est la cinématique du mec de l'auberge, je crois. Le visage de l'esprit. Ouais, il avait apparemment abandonné l'idée de se suicider. Mais c'est à cause de elle qu'il s'est suicidé. Avance, je voudrais bien voir ta vidéo amateur. Non, là, on est bon.
Donc ça, c'est une des premières, en fait, qu'on a vues. De se pendre, un esprit se pendre, en fait. Et du coup, là, on a la réponse de ce qui s'est passé. Donc, en gros, c'est la prêtresse qui... Il y a sûrement le... Enfin, vu l'arbre, il y avait tellement de pendus, c'est sûrement la prêtresse qui poussait les gens à se pendre. Donc, vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation principale, là. Parfait. Courant est revenu. Ok, c'est parti. Donc, voilà. Et après, l'esprit est devenu... vengeur, méchant, j'ai envie de dire. Et du coup, il a fait se faire pendre l'aubergiste. Alors qu'il voulait plus se suicider. Il était peut-être mal en point, mais on voyait qu'il... Ouh la vache, Miu, tu viens de m'apparaître dans le dos, c'est cool. On a vu qu'il... Ah, ses fesses. On a vu qu'il... qu'il avait plus ou moins arrêté, enfin il avait changé d'avis par rapport à se suicider. Il a essayé d'enlever la corde et du coup voilà, l'autre elle l'a tiré, elle l'a fait tomber. Je me demande si on peut prendre une autre porte, genre là normalement on peut pas y aller, je crois qu'on peut jamais y aller même. Ou peut-être pour en ressortir, mais ce sera beaucoup plus tard dans le tunnel et tout ça. Tunnel qui était en travaux. Allez Miu, assis-toi, je fais la chauffeuse. La chauffeuse, ça se dit? Ouais. Oh, pardon. On est parti. Elle fait un beau sourire. Je sais pas honnêtement. Tu sais qui est ton père? J'ai envie de te le dire, mais tu risques de péter un câble. C'est typiquement japonais, ça de pas parler et de se regarder, de faire un hochement de la tête, c'est vraiment très très japonais. Sur la brochure touristique, il y a un tunnel près d'ici, il mène au toit de l'ancienne auberge. Ah, donc pour regarder, non, pas ça, ça et ça. Donc nous on s'est arrêté là, on était tout en haut, si je dis pas de bêtises. Gare de la transition, enfin pas tout en haut, on était là. À l'hôtel de la transition, donc ici. Quand on est sorti, on a passé par ce chemin. On s'est retrouvé à la gare et du coup, on a voulu descendre tout en bas comme ce qu'avait fait Hisoka et tout ça. Sauf qu'ils étaient arrêtés là et ça a bien marché. Bon, mais nous, on a perdu le courant et tout ça, donc on est bloqué. Donc on va vouloir essayer de prendre le tunnel, donc ce tunnel-là, je crois, pour revenir sur le centre, je crois, ou par là. Ancienne sortie du tunnel, et après on redescend aux sources chaudes. Ouais, non, je crois que c'est ça. C'est ça. Nous, on est là. On va essayer d'aller nouvelle sortie du tunnel, passer le tunnel, passer par là. Je crois que c'est ça. Ah, ce passage est cool. Ce passage est cool. C'est juste dans le bâtiment qui est un peu... Enfin, dans le temple, dans l'hôtel, qui est un peu long parce que c'est, comme j'ai dit, c'est grand. Et il y a un peu des allers-retours. Mais c'est cool. Mais ouais, du coup on commence à être... ouais. Ok, on va faire attention à nos clichés. Non. Moi je verrais bien un jeu plus action.
dans le même univers folklore. Donc, faut pas monter, hein, évidemment, faut descendre, mais je regarde s'il y a pas des... Non, il y a rien, je pense. Après, elle va nous dire de... Les fesses que t'as... Elle va nous dire de descendre. Mais j'aime beaucoup, en fait, l'interaction avec l'univers et tout ça dans Project Zero, parce que on n'est jamais à l'abri. Genre, on pense que y a quelqu'un... Grande femme... Les bras qu'elle a et tout, elle nous regarde et tout. Ah, j'aime pas ça. on pourrait dire que ce genre c'est linéaire et tout ça. Mais en fait, pas du tout, parce que là on prend le téléphérique, puis après on se fait arrêter vers la nouvelle sortie du tunnel. Donc on doit trouver un autre chemin et tout ça. Donc ça c'est plutôt des bonnes aventures, vous voyez. Ça rappelle beaucoup les jeux un peu... on va dire ancien, j'ai envie de dire, genre Front Mission 3 par exemple, où c'est que tu vis une aventure. Là pareil, là on vit une aventure, et c'est assez grand, c'est assez vaste en fait. Parce que les premiers... Oh. Une femme au bord de la route. Donc là... le tunnel est derrière nous. Parce que les premiers, après, bon, bien sûr, c'est différent, parce qu'on était à l'ère de la PS2, maintenant on est un peu plus évolué quand même. Donc c'était souvent bloqué dans le même endroit, genre un monastère, un manoir, tout ça. Là c'est un peu plus grand, donc du coup on peut avoir plus d'aventures dans un sens, donc c'est vraiment sympathique. Il y a quelque chose sous la voiture. J'ai pas eu le temps de le photographier. Gugger. Qui c'est qui fait gugger? Loupé. Ok, tu vas te calmer. Tu vas te calmer direct. Touche, touche, yes. Donc là on voit ce qui s'est passé. Donc le mec s'est fait écraser par sa propre voiture. Le mec a survécu à l'accident mais il s'est fait écraser par sa propre voiture. Ça va ? Reste cool. Mais ouais, donc moi je pense qu'un jeu un peu survival horror avec un peu plus d'action. Genre imaginez un groupe de militaires qui est bloqué dans cet univers et tout ça. Ça pourrait être sympathique. Mais j'ai espoir de voir un nouveau Project Zero. Encore plus grand en fait, plus vaste. Avec genre même on pourrait instaurer des quêtes un peu secondaires et tout ça. Genre par exemple dans le troisième il le faisait un peu. C'était enquêter en fait sur des esprits. En gros, vous preniez des photos, après vous les donniez à Miku, parce que nous on incarnait Rei surtout. Donnez les... bonjour, j'ai beaucoup de monde là. Ok.
On va rester cool, les gens. J'ai un peu loupé. Oh! Est-ce qu'on a des vidéos à regarder? Non, ok. Il y a sûrement des gens qui ont été tués par l'éboulement, en fait. l'effondrement. Mais vous voyez que il y a de quoi faire, en fait, avec les Project Zero. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette série et j'espère vraiment qu'elle va continuer à survivre, en fait. C'est le troisième glissement de terrain, le tunnel est bloqué et 18 ouvriers sont coincés à l'intérieur. Les rapports disent que cette fois, le mur du côté du sommet s'est effondré et qui a amené de l'eau et causé encore plus de dégâts. Il doit y avoir une grotte inondée. Nous avons trouvé des survivants, mais compte tenu des risques, les opérations de sauvetage ont été suspendues. L'eau s'écoule encore, ce qui rend toute tentative de sauvetage excessivement difficile. Miyu, arrête de bouger derrière moi, ça me fait peur. Nous attendons que ce déluge s'arrête avant d'essayer de les aider. Nous avons récupéré 13 corps. Quelque chose a noirci les corps et les a fait pourrir. On dirait qu'ils ont fondu, sûrement l'eau noire. Nous avons fouillé pratiquement tout le tunnel, mais 5 corps manquent toujours à l'appel. Nous avons trouvé une cavité qui semble avoir été creusée depuis l'intérieur à la main. On dirait qu'elle est reliée aux grottes. Nous n'avons plus beaucoup d'espoir, mais nous allons continuer les recherches pour voir si quelqu'un a réussi à s'échapper dans les grottes. C'est aussi les écritures comme ça qui détaillent en fait ce qui s'est passé. Des fois, c'est plus impressionnant que de voir des vidéos, en fait. Parce que là, on s'imagine plus. C'est un peu comme... Genre, l'horreur qu'on ne voit pas ne fait toujours beaucoup plus peur que l'horreur qu'on voit. Vous voyez, si un monstre pendant tout le film on le voit pas et l'on voit seulement qu'à la fin, là c'est un choc. Mais si vous voyez un monstre dès le début, vous savez de quoi vous allez voir en fait pendant 2 heures du film. Donc c'est pas vraiment impressionnant. Donc ça aussi c'est bien d'avoir des écrits détaillés. Plusieurs boîtes noires ont été découvertes dans les grottes. Leurs couvercles sont solidement fermés et impossibles à ouvrir. On dirait qu'elles sont remplies d'eau. Elles pourraient avoir une importance anthropologique. Donc nous avons besoin d'une permission pour les déplacer avant de poursuivre les recherches. Donc peut-être que les survivants en fait ont été enfermés là-dedans par les prêtresses et tout ça. Il y a eu plusieurs rapports parlant d'une femme en kimono noir à l'intérieur de la grotte. Ah. Les mains ou d'autres parties du corps des membres de l'équipe de recherche ayant déplacé les boîtes noires sont devenues noires et ont commencé à montrer des signes de nécrose. Nous recommandons fortement de ne pas toucher les boîtes. 3 personnes sont portées disparues. Donc si vous n'êtes pas prêt à mourir, parce que ce sont les porteurs en fait, porteurs de l'ombre, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, à prendre les boîtes, bah du coup faut pas toucher les boîtes, sinon vous commencez à avoir de la nécrose dans vos mains et tout ça, donc faut vraiment pas les toucher. Nous avons retrouvé le corps du responsable de l'équipe de recherche ainsi que ceux de 2 ouvriers piégés par l'effondrement dans l'étang de Mikomori. Leurs os sont brisés et ils portent les mêmes marques de corrosion noire que les autres. La mort du responsable de l'équipe de recherche a entraîné l'arrêt des recherches. La rumeur d'une malédiction grandit, alors les travailleurs semblent soulagés. La construction a été officiellement abandonnée, nous bloquons l'accès au chantier. C'est que du fun. Chemin mène plus haut que la montagne, nous sursommes et nous descend. Oui. Ça va, on explore. Le truc qu'on pourrait faire, c'est utiliser une braise aussi. Parce que là, il pleut plus. Donc, reste à côté de moi, toi. Donc, on risque rien. On risque pas d'être mouillé. Ah, putain. Ah, mon Dieu. L'ampoule de cette lampe commence à faiblir. Ok. Merci, ça m'aide pour rester calme. C'est une prêtresse. T'es un peu trop proche. D'accord, ok, cool. Et j'ai loupé.
Faut pas qu'elle nous touche en fait. Elle nous passe pas à travers, elle nous fait des dégâts. Et après elle nous attrape automatiquement. Faudrait que je me soigne en fait. Parce que j'ai pas envie de tenter le diable non plus. Ouais, c'est très bien. Main, je l'ai tué dans le mur. Je lui ai fait le super tir. Désolé. Par contre, tu veux que... Ouais, objet là-bas. L'aide pour trouver les objets aussi, je trouve ça sympa. Parce qu'on pourrait dire oui, le jeu aide un peu trop. Honnêtement, non, parce que comme j'ai dit, la porte refuse de s'ouvrir, une puissante force maintient fermée. On n'est pas vraiment à vouloir avoir du challenge, on est là plutôt pour passer un bon moment sur le jeu. Ouais, on va rester avec le type 61. Bon, bah on est passé. Alors, c'est un camion rouillé et abandonné, les fenêtres n'ont plus de vitres et le véhicule est rempli de feuilles. Alors, on a chemin à droite et chemin à gauche. Rocade à fois. Ça c'est pour monter, ça c'est pour descendre, ancienne sortie. Donc nous on veut aller à l'ancienne sortie pour descendre. Je crois que c'est comme ça. Vers la source chaude de Miko Mori. Oui, oui, il est source chaude. Faudrait que je regarde le dépliant là. Pour voir si j'avais raison. Fais voir. Ouais, donc c'est bien ça. On a pris le tunnel ici. Sortie du nouvel tunnel. On a passé le tunnel et on est arrivé ici, l'ancienne sortie. Puis après on descend et après on repart. Bon, enfin on repart. Hein ? On est aux sources chaudes quoi, il faut encore passer le bâtiment. Mais vous voyez que ce chapitre est long, hein. Je crois qu'on est presque à 1h30, 2h peut-être. Et pourtant, je cours quand même pas mal. Hein. Là, on arrive sur le toit. Par contre, il y avait quoi là? Rien. Un objet là. Film 14, on va le mettre. Aha. Maybe after this, I might even be able to save Mother somehow. Oh, on passe automatiquement l'immeuble. Ouais. Ok, cool. No one is picking up at Mia's place. Try again tomorrow. I have to go. One more time. Ren, do you have a moment? Yeah. Mother. Touché Miu. Mouais. C'est pour voir ses rêves, hein, c'est pas pour autre chose. Enfin, ses cauchemars plutôt.
You really think I can make it? I'm nothing. I'm empty. That's how I can become anything. I do exactly as I'm told. I know what you want all too well. It's so dumb. It's all lies. And lying only hurts more, right? So idiotic. I'm not sick anymore. Don't you do that again. Ever. C'était pas mal. Miyu fut retrouvée dans une reliquaire dans l'hôtel de la transition. Yuri tenta de regarder les souvenirs de Miyu alors qu'elle était endormie, mais la situation fut renversée. Miyu possède apparemment les mêmes capacités de déchiffrage des ombres de Yuri. Donc en gros, comme ce qu'ils viennent de dire, Yuri a essayé de regarder les cauchemars, en fait, comme ce qu'elle avait fait avec Ren et tout ça, utiliser son pouvoir de déchiffrage des ombres. Ça a marché au début. Bon, on va dire que Miyu a une enfance difficile, ok, on est d'accord avec ça. Après, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est que Miyu a pu lire les mauvais souvenirs en fait de Yuri. Donc on a vu quand elle était à l'hôpital parce qu'elle voyait des morts, du coup elle voit des morts partout, hein, comme le film, hein. Et du coup ils l'ont pris pour une folle. Et donc il y avait ça, et il y avait le passage aussi quand elle a voulu se suicider, hein, et quand elle a été sauvée et tout ça, Hisoka l'a sauvée. Donc c'est assez sympa ce moment, surtout que Miyu était au courant et elle s'est réveillée, elle a compris ce qui se passait directement, et elle est assez... elle fait assez flipper, hein, quand elle s'énerve, quand elle est de mauvaise humeur, on va dire. J'aime bien ce passage, moi. Et rang S, c'est bien débrouillé. J'aime beaucoup. Moi, je trouve ça sympa, ce passage. Et c'est là que on apprend... on commence à comprendre, en fait, que Miyu est spéciale. Comme j'ai dit, Miyu, c'est la fille de Miku, du premier. Mais son père, en fait, c'est assez spécial, ce côté-là. Ouais. C'est ça qui la rend spéciale. C'est pour ça qu'elle peut lire, faire la divination des ombres et tout ça. Mais ouais, donc c'était le chapitre 6 qui a duré pas mal de temps. 1h20, vous voyez que les chapitres varient. C'est dans l'heure, je dirais, parce que bon, moi je vais un peu plus vite parce que je cours quand même, parce que je connais déjà. Mais si vous prenez votre temps, c'est dans les 1h, mais celui, le chapitre 6, c'est peut-être dans les 2h et quelques. Et donc, ouais. Mais il est cool, il est sympathique. Mais ouais, chapitre 7, la prochaine, donc on continue à jouer Yuri, et on devra partir pour trouver Hisoka. À plus tard, ciao.